Bonjour à toutes et bonjour à tous, Zertiran, As pour les intimes, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, on se retrouve aujourd'hui pour découvrir la démo d'un jeu que j'attends énormément, qui s'appelle Streets of Rage 2, qui a déjà été repoussé plusieurs fois, qui était normalement prévu pour le 22 octobre, mais en fait finalement il sort pas le 22 octobre, il est repoussé, c'est terrible, c'est dommage. Mais il devrait normalement bientôt sortir d'ici la fin d'année 2024. Actuellement c'est l'année aux fesses sur Steam jusqu'au 21 octobre, donc vous pouvez tester plein de démos. Bref, Streets of Rage 2, la suite du 1, RPG sandbox, très déjanté, plein de trucs, plein d'objectifs, plein de trucs à faire, très vraiment cool. J'avais adoré le 1, toujours développé par Matt Dabrowski et édité par Tiny Build. Vous allez voir, c'est du monde ouvert, c'est du méga ultra sandbox et ça fait grave zizir, wesh wesh la famille. Démarrer une partie, c'est parti, partie locale, on pourra jouer en coop, on pourra jouer en ligne, on apprécie, ça fait plaisir. Créer un nouveau personnage, évidemment vous avez plein, mais là pour la démo on n'a pas grand chose, mais vous avez différents personnages qui ont tous des capacités ou des objets ou des tas de choses, et vous allez avoir des objectifs bien précis en fonction de qui vous êtes. Donc là par exemple chef, il a il est fort en cuisine, en cueillette pour faire de l'argent. Le policier, respect des lois, il peut emprisonner, il a une arme, esprit d'équipe, ok, c'est un force de l'ordre, il va pouvoir arrêter. Et le soldat arme au corps à corps. On va prendre le soldat. Le soldat, il était plutôt fort en tout cas. Le nom, on va s'appeler Azzy, comme Azertiran, comme Az, Azzy la menace. Et puis voilà. Et puis on va sélectionner un monde, on va créer un nouveau monde. On va l'appeler démo, voilà. Et puis ah oui, on peut faire des modificateurs pour simplifier ou accentuer la difficulté de la partie. Je me vomis dessus, on s'en fout. Vas-y, on y va. Créer un nouveau monde. On y va en avant, guingant. Et du coup, en fonction de votre classe, vous avez des objectifs à faire. Enfin, logiquement, hein. C'était comme ça dans le 1 et j'espère que c'est comme ça dans le 2. Et puis, c'est très fun. Vous pouvez tuer plein de monde, voler des trucs. Voilà, c'est vraiment ouvert à la... ouvrez votre cerveau, laissez cours à votre imagination et ça fait plaisir. Et puis voilà, quoi vous dire de plus. Non, mais je suis très content que le jeu sorte bientôt, c'est un des jeux que j'attends le plus. Je suis très content qu'il y ait un 2, je suis très content de me masturber nuit et jour, quoi. Alors, ok, je suis là, je suis magnifique, il a pas d'armes. Bonjour et bienvenue dans Streets of Rage 2. Utilisez, voilà, cliquez sur le bouton pour attaquer quelqu'un, mais minute papillon, réfléchissez un peu avant d'agir. Ok, là par exemple, je le tabasse, si vous cherchez son bureau, appuyez sur tab, ah oui d'accord, tab, la map, très bien. D'autres emplacements importants sont indiqués sur la carte, vous ferez mieux de trouver un véhicule, l'inventaire, l'écran, ah oui il est là, ok, j'ai des armes, ça fait plaisir, j'ai quoi d'autre, des mines, ah je peux balancer une mine, voilà, ça lui a explosé dans l'oignon, ça lui a explosé dans le fion. Hop, pourquoi il y a une, ah il est hostile, mais là il part. Ah, il a esquivé l'enfoiré. Le jeu est, j'aime bien son petit côté rétro. Inventaire, espace, information sur les PNJ de la zone. Vous pouvez construire vos structures ici, mais il s'agit d'un mode super alpha, soit dit en passant. D'accord, ok. On peut fouiller les poubelles, on peut crocheter, on peut faire des tas de bonnes choses. Voilà, on peut faire des tas de bonnes choses. Et c'est ça qui fait plaisir. Écran des statistiques. Ah oui, j'ai mes statistiques, endurance, vitesse, corps à corps, arme à feu. Là, on fait attention. Très dense avec la mort. La santé régénère progressivement si en dessous de 20. D'accord. Ici, on a nos compétences, les points de compétences. La création est en mode alpha. Oui, très bien. D'accord, on a plein de compétences. Le journal de quête. Quête suivie. Bah, éliminer le maire. D'accord, éliminer le maire, pourquoi pas. Les compagnons, les factions. Donc, qui, avec qui je vais être pote, avec qui je vais être ennemi, qui va m'attaquer globalement, automatiquement et tout ça. Les relations dans la ville, création, carte du monde. Ok, bon, bah, très bien. Si vous voulez tester ce mode, interagissez avec une cuisinière, un feu de camp ou un établi, vous pouvez changer les commandes de conduite à votre guise. D'accord, donc là, il y a de la conduite de véhicule, ce qui est plutôt plaisant. Donc là, je peux conduire ça. Ah merde, il va péter là, non? Ah ouais, bah là, ok, d'accord. Là, je peux le trucider, il est hostile. Ils sont hostiles. Quand des gens sont hostiles, évidemment, ils fuient ou vous tabassent. Là, j'ai tué quelqu'un. Ici, ça se bat. Je peux évidemment tout exploser, tout détruire, tout tuer, tout. Et ça fait plaisir. Porte verrouillée, mais je vais pouvoir rentrer dedans. Je vous montre un peu le côté. Voilà, je vous montre un peu. Tuer plus 10 innocents. D'accord, je récupère des points, mais je risque d'être recherché par la police. Il n'y avait rien. Là, il y a un clerc de notaire. Allez, dans la gueule. Ok, lui va m'attaquer. Oh, soldière. Ah, il est associé. Ah, un associé. Ah, ça fait plaisir, ça.
Ok, donc il vient m'aider. Est-ce que je peux rentrer dedans? Ah oui, d'accord, je crois qu'il faut que j'aille à l'icône de voiture, c'est ce qu'il me disait au début. Donc on va y aller, on va y aller. C'est ici l'icône de voiture? Je n'ai aucun moyen de l'ouvrir. Bah. Voilà, pète-le, pète-le. Ah, et je peux. Ah, ok, attends, attends, juste là, il y a les ouvriers, en sachant que certains sont armés. Voilà, on tabasse. J'ai ma barre de vie, j'ai ma barre de vie. Attention, oh putain! Ah bah je suis mort comme un caca parce qu'il y en avait un qui avait un flingue. La vache! Ok, on recommence. Toi, salut. J'ai toujours mon couteau. Tiens. Voilà. Je vais te remettre un explosif dans la tronche. Ah mais il fuit l'enculé. Ok. Voilà, de l'argent. C'est parfait. On pourra s'acheter des tas de bonnes choses. Allons trouver un véhicule. Il y a des tas de gens. Un culte. Ah, un mec d'un culte. Ok. Ok. Ah, il fuit parce qu'il est presque mort, d'accord. C'est un lâche. Mais c'est vraiment bac à sable. J'essaie de vous montrer dans cette démo le côté bac à sable. Ah, j'ai perdu de la réputation parce que j'ai tué un cultiste. Je me le suis foutu au culotiste. Mais ouais, et le 1, j'y jouais énormément, que ça soit en solo ou avec un pote. J'y jouais vraiment énormément. Drug dealer. Aïe, ok, d'accord. Ah oui, là, il y a les dealers de drogue. Dealers de drogue dans la gueule. Ah, il y en a un qui est devenu invisible, manifestement. Ah, résurrection. Ok, et ça, c'est quoi? Ah, il veut me tabasser, lui. Ok, il veut me tabasser. Tiens, dans la gueule. Dans la gueule. Voilà, il est mort. Et lui aussi, il va pas tarder à crever. On tue tout le monde, hein. Enfin, c'est pas du tout l'objectif, mais en tout cas, moi, c'est l'objectif. Hop, dans la gueule. C'est l'objectif que je me suis donné. Il fuit comme un caca. En sachant que certains, évidemment, peuvent être armés. Donc, il faut faire très attention. Là, j'ai cassé les vitraux. Ah, il y en a un qui est armé. Ça serait pas mal d'avoir son flingue. Voilà. Voilà. Ok, là on fait attention. Ah, j'ai obtenu la clé du music hall. Ah, c'est bien. Comme quoi, c'est pas mal de tuer les gens, tu vois. Comme dans la vraie vie. Ah ouais, mais sauf qu'il est parti. J'ai presque plus de soins. Je peux pas me soigner? Non, je crois que j'ai rien. Ok, bon, c'est pas très grave. C'est pas très grave. On fait attention. Point d'expérience. On va essayer. Ah, on retourne là. Parfait, parfait. Ok, je lui ai bien défoncé la rate. Interrupteur. Ah, je peux interagir. Interagir avec eux, hein. Worker hostile. Je peux prendre la voiture? Non. Si, je crois. Si, vas-y, vas-y, prends la voiture. Merde, elle va péter! Oh non, il va pas encore me tuer! Oh là là, oh là là, oh là là. Ah, il a un bon vieux fusil à pompe, là. Il va me pomper l'oignon, faut faire très attention. Bon, je vais... Ah, il faut... En fait, idéalement, il faudrait que je récupère la clé. Il faudrait que je récupère aussi de la vie. Ah mais ils vont me prouter, ils vont me prouter. Ok. On fait très attention, évidemment. Évidemment, tout doucement. Tu veux pas accélérer? Ah tiens, j'ai défoncé un con. Et non mais il va encore me tuer, il va encore me tuer. J'en peux plus, j'en peux plus. Ah ouais, j'ai fouetté un de ces bordels dans l'église. Aïe, bah voilà, je suis encore mort comme un caca. C'est dur, hein, c'est un jeu difficile, hein, ça me rappelle le 1 qui était effectivement pas si simple quand même, pas si simple, pas si simple. Bon, écoutez, il faut que j'essaye de récupérer la clé. C'est joli, hein, j'aime bien, j'aime beaucoup les graphismes. Il faut que j'essaye, j'ai récupéré la clé Mais ça, on s'en fout. Ça, c'est pour voir tous les items, consommables, weapons, matériel, ouais, on s'en fout, le FAP matériel. J'aimerais bien récupérer la clé. La clé, la clé, la clé, la clé, la clé, la clé. La clé, elle doit être quelque part, non? Workers. Oh, quoi, quoi? Oh non, 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 mais il me tire encore dessus. Bon, à force de crever, je vais quand même les tuer, hein. Voilà, bon, on y retourne, putain. Et tous ces travailleurs là. J'ai pas une mine à leur lancer dans la gueule. Tous ces travailleurs, on va aller leur exploser la gueule. Et ça va être très très vite réglé. Regardez, j'ai beau mourir, je garde quand même mon XP. Tout se passe bien, tout se passe très bien. Enfin bien, je ne sais pas, mais on peut rentrer dans les maisons des gens, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, évidemment. Voilà, on pète les murs. Voilà, j'ai récupéré une clé. Aïe, ils me font très mal. Aïe, aïe, j'ai un méga pote qui arrive. Ok. J'ai un méga pote qui arrive. Voilà. Alors, enfin, fait coup de marteau dans la gueule. Et je lui ai explosé l'oignon. Parfait.
récupère le pistolet. Ouais, mais j'ai fait exploser, je crois, la voiture. La voiture qu'il me fallait, j'ai fait exploser. Donc, en gros, là, je suis baisé, je suis baisé, je suis baisé, je suis baisé. Je peux pas récupérer des voitures comme ça, je suis obligé de... Ouais, ok. Non, parce que là, il faut que j'aille tuer le maire, mais il est ultra loin, le maire. Plus, là, je suis en train de découvrir la carte. Ouais, il est ultra loin, le maire. Carte de l'intérieur, carte de la région, carte du monde. Ouais. Bah, écoutez... On va essayer d'aller tuer le maire, mais je pense que ça va pas être évident. C'est qui, ces cons-là? Je sais pas, il y a des cons, mais c'est pas très grave. Ouais, c'est ça, c'est que j'ai explosé la voiture qui aurait pu me permettre de fermier. Je peux fouiller dans la poubelle? Ah, de l'argent, j'adore l'argent. Oui, vous pouvez tapoter, je peux tapoter à la fenêtre. Voilà, pour faire ça, par exemple. Aïe, haute tension. Aïe. Je me cache dans les angles. Et je frappe. Voilà. Et je frappe. Voilà. Ah. Attends, il n'y a plus de munitions. Aïe. Non, pas encore la mort. Ah, c'est bien, ils se battent. Non. Mais petit enfoiré de merde. Ah, c'est un jeu qui est très, très, très difficile. Mais j'ai jamais de munitions. Ça m'exaspère, la vache. De pas avoir de munitions. Tiens, un en ça. Tiens, ça en machin. Ça en... En deux, pourquoi tu veux pas prendre des munitions? Ah ouais, non mais c'est trop chiant. Ouais, le jeu est très difficile, hein. Et il faut un certain temps avant de... Je peux dormir? Ça sert à quoi? Dormir jusqu'au soir. Ouais, peut-être que la nuit ça ira mieux. Faut un certain temps. Pourquoi t'as quelque chose? Tiens, dans la gueule. Je lui détruis la gueule parce qu'il y a une étoile. N'y voyez pas de l'antisémitisme, hein. C'est pas parce qu'il y a une étoile jaune que je tabasse. Mais pourquoi il est plus rapide que moi? Les gens sont beaucoup plus rapides. Bon, j'aimerais bien tuer quelqu'un avec une arme. Et récupérer l'arme. Voilà. Voilà, ça dégage. Ça dégage. Ah, j'ai une munition. Ah merde, j'ai tiré sur les mauvais. Ok, je lui ai bien explosé la rondelle. Toi, rondelle, ça dégage. Je voudrais des... T'as pas des munitions, ma meuf? Non, d'accord, y'a pas de munitions. Pas de munitions. Tiens, toi aussi. Ah, merde, je crois qu'il a une arme. Aïe. Ok, je l'ai explosé. J'ai récupéré 10 de monnaie. J'ai récupéré un pistolet. Alors, attends, 3. Voilà, pistolet. C'est parfait. Ok, ça se passe plutôt bien. Enfin, bien. Faut le dire très vite, attention. Il est mort, lui. Non, c'est bon. Ils sont où, là? Pourquoi ils fuient comme des lâches? J'ai l'impression qu'ils veulent pas mourir. C'est très étonnant. Bon, là, j'ai fait un de ces boulots, mon gars. Ici, il y a des chaises. Il y a des... Ah, il y a un coffre-fort, là. Bon, attends, je vais le défoncer, non? Il y a quelqu'un qui va venir, mais non, je l'ai déjà défoncé. L'avantage de tuer tout le monde, c'est qu'après, on est tranquille. Je peux rien récupérer. Non. J'aimerais bien... Est-ce que j'ai récupéré la clé? Je n'ai aucun moyen de l'ouvrir. Bah, en forçant. Récupère le caillou, quand même. En forçant. Mais vous comprenez, hein. Je pense que vous comprenez l'aspect sandbox. Ah, je peux juste l'endommager, je peux pas le... D'accord, ok. La nuit, au moins, je suis un peu plus tranquille. La nuit, tous les chats sont gris. Toutes les chattes sont grises la nuit, je vous le dis. Ok, on va aller essayer de se soigner. Bon, petit à petit, on monte en XP. Hein, mais vous voyez, clairement, c'est pas évident. Faut faire attention, faut pas faire n'importe quoi. Ça peut être un sandbox. Et oui, certes, vous pouvez faire n'importe quoi. Mais il faut quand même faire ça avec intelligence et faire attention. Alors, supermarché. Ah ouais, non, mais ils sont armés. Merde. Salut les potes. Est-ce que je peux acheter des choses? Là, non. Puis-je acheter des choses? Acheter à boutique. Alors, 20$ et j'ai 86. Du bœuf, c'est meilleur la santé. Tu vends pas des munitions, non? Bœuf, blueberry, santé. Santé, 0,5. Ouais, tout est un peu nul, mais après, c'est la durée. Ok, moins 20. Ouais, non, mais... J'ai envie de te dire, autant les voler, non? Non, je vais éviter de voler. Je vais éviter de voler quand même. Je peux pas voler le tracteur. Ah non plus, il me faut la clé en fait, c'est ça, il me faut les clés. Oh, je récupère une bière. Oh, pas mal la bière.
Inventaire. Voilà, on récupère de la santé. Bon, je prends mon couteau. Ah, c'est quoi ça? Ah putain! Ah ouais, non, mais parce qu'il se rappelle de moi. Aïe, aïe. Planque-toi, planque-toi. Planque-toi. Ah, ils ont plus de munitions. Ok. Et toi aussi. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Distributeur de munitions. Très bien. Je vais essayer d'en acheter. Recharger arme. 52 pour recharger le pompe shotgun. Ah, pistolet ou shotgun. Dégâts de base 5. Allez, recharge, recharge. Voilà, j'ai rechargé mon flingue. J'ai combien là? Ah, j'ai... Ah ouais, j'ai un paquet de balles, dis donc. J'ai 100 balles. Ah oui. Ah, ça va faire la différence. Ok, ça va faire la différence. Il y a une clé, je vois qu'il y a une clé. Bonsoir. Ah oui, ils font attention parce que j'ai un flingue. Utiliser la clé. Voilà, cache. Je peux pas voler là, non. Shop, shelf, je peux pas non plus. Non, shelf, non, nine. La clé, elle est où? Il me dit qu'il y a une clé. Ah, je peux traverser la vitre. Ah ouais, je peux traverser la vitre, mais bon. Ah, vous voyez le bordel que ça a fait? Ok, j'aime bien l'idée. Alors, minable? Alors, minable? Aïe, minable, tiens, dans les gueules. Ok, bon, on est pas mal. Il me dit qu'il y a quand même une clé. Mais alors, une clé de quoi? Quoi et où? Une clé des toilettes? Ah, weapon craft, tapoté à la fenêtre. Weapon crate, shop table. Ah, il faudrait que j'aille voir. Ok, j'entre. Ah, il y a un autre con là, ok. Ah, y a rien là, y a rien, y a rien, y a rien. Ok, y a rien, y a rien, y a rien, y a rien. Y a rien. Mannequin, mannequin, y a rien, y a rien. Je me casse, je me casse. Qu'est-ce qu'ils font? Je vais quand même récupérer mon flingue parce que le flingue c'est quand même l'arme des winners. Monte voir la map. Ouais, tu t'y approches petit à petit. C'est une voiture de flic ça, j'ai failli tirer dessus. J'ai plus beaucoup de vie, plus 400 de discovered. Ah ouais, le fait de découvrir, d'avancer, ça fait bien avancer. Poubelle. Oh, une banane, j'adore. J'adore les bananes. Vas-y. Utilise ça. Mange-la. Alors, et là... Ah, en fait, vous voyez, c'est le côté bac à sable. C'est-à-dire que là... Bon, je peux évidemment m'infiltrer. Mais je peux aussi tout simplement mettre quelque chose là. Je sais pas, je dis n'importe quoi. Du poison. Et ça empoisonnerait tout le système de ventilation. Ce qui est plutôt sympa quand même. Hein. Ce qui est plutôt bien branlé, comme on dit. Je me vomis dessus. On est dans une zone un peu à risque. On voit clairement qu'ils sont armés, on voit clairement que ça pète. Ça pue, ça pète. Il faudrait un marchand, ou en tout cas que je trouve de la bouffe. Ouais, pour ça, faut fouiller dans les poubelles. Hein. Un rocher. Ouais, c'est pas ça qui va me nourrir. Un médecin. Ah non, il a juste de l'argent. J'ai eu de l'influence et j'ai eu des points. Ouais, mais ça, c'est pas de l'argent encore. Ouais, c'est très bien, tiens, ma gueule. Ouais, de l'argent, non mais c'est formidable d'avoir de l'argent, j'adore l'argent. Mais ça vous nourrit pas un homme, l'argent. Quand je pense que je fais tout ça à pied, que j'avais une voiture. Salut! Voilà. Y a pas... Non, je pourrais dormir. Est-ce que ça me soigne, dormir jusqu'au matin? Ah oui, et ça game le save, ça save... Tous les matins, les robots majordomes bien nettoyés, le bazar vous se met derrière vous. Ah, pratique, pratique, oui d'accord, ok, histoire de... Qui est moins de bordel. Bon, on s'est soigné, on est pas mal. Il faut continuer. Je suis où sur la map? Ah, allons voir le maire. Essayons de tuer le maire. Et ça sera déjà pas mal pour cette démo. J'aimerais bien aussi passer un level. Ça peut être pas mal de passer un level. Alors, oh, le médecin. Il est où le maire? Mais d'accord, il est en bas. Ah, il y a des bandits là. Clerc, il est neutre. Ok. Major office, là? Ah ouais, ouais, ouais. Major office, serveur, un clerc. Ah ouais, non, mais le maire, il est surprotect, surprotégé, le maire. Ok, il y a un con qui vient. Ok, on va péter. On va rentrer. Allez, viens là. Viens là, ma pute. Allez, dans la gueule. Que la sécurité va arriver. Il y a des chances que la sécu arrive. Hein.
Oh, un ascenseur. Oh, un distributeur d'objets. Ah non, ça a servi à rien de le casser. Un ascenseur. Ah, c'est pas mal, ça. Là, tu vas me dire qu'on est dans... Il est où, ce maire? Il doit être tout là-haut, le maire. Ok, on va aller le voir. On va aller lui exploser. I need a keycard. Merde, j'ai besoin d'une keycard. Ok, j'ai besoin d'une clé d'accès. Investir des banquiers. Ping-pong table. Truc de table. Ok, des banquiers, des connards de banquiers. Ça, c'est quoi, un coffre-fort? Ah là, il y a un mec. Il y a peut-être des choses à récupérer. Hein. Mais j'espère que vous comprenez bien le principe du jeu. Hein. C'est très, très vague. Très, très vaste, je veux dire. Voilà, ça dégage. Parfait. J'en ai rien à foutre. Éteindre. Allez, il y a du monde. Ok, il y a du monde, on risque de crever. Heureusement, on a pas mal de balles. Ah, j'ai gagné un niveau. Ok. On tue tout le monde, c'est vraiment un génocide. Ok, parfait. Ah, j'ai trouvé la clé, j'ai trouvé des armes, j'ai rechargé des munitions, j'ai gagné un niveau. Vous acceptez? Ouvrez l'onglet arbre de compétences. Attention! Voilà. Ah bah ouais, là forcément ils ont envoyé la... Dans la gueule. Ok, oh, qu'est-ce que c'est? Un combinaison de coffres. Oh, très bien, très bien. Alors, compétences, arbre de compétences. J'ai des points de compétences. Ouais, armes. Je peux prendre ça? Je peux prendre ça? Ok, je peux prendre ça. Les balles sont plus grosses que d'habitude. Les balles enflamment les objets. Les vos balles détruisent les balles des autres. Ah, c'est bien ça. Ah oui, ça fait des grosses balles, dis donc. Et en plus, j'ai enflammé le cul de tout le monde. Attention, on est bientôt mort quand même. Dans la gueule. Ok, bien joué à moi-même. Ça, c'est quoi? Ah, un outil d'ac. Ah, c'est bien ça. Est-ce que j'ai pas mon fusil à pépon là, mon fusil à pompe? Si je regarde, compagnon, faction, ville, création. Non, si, il faut que je fasse ça. Non, c'est quoi le menu déjà? Hop, bon, on va prendre ça. Fusil à pompe, t'as des balles ou pas? Pistolet, ouais, t'as des balles de flingue. Donc tout va bien. Par contre, pas de balles de fusil à pompe, ça c'est bien dommage. Elle est où la combinaison du coffre déjà? Pour accéder au niveau supérieur, ouvrez l'onglet pour assigner vos points. Oui, je l'ai déjà fait mon gars. Il faut que je... Oh, un couteau. Un autre couteau, je prends. Ça sera déjà ça. Ouais, j'ai tué à peu près tout le monde. Hein. Ce qui fait plaisir. Hop là, on a des cons, on a des sales cons. La combinaison, le coffre, il était où? Ah, mais j'ai dû tout détruire, non? Ouais, je pense que j'ai tout détruit. Après, j'ai envie de te dire, maintenant j'ai la combinaison, non? Est-ce que je peux aller tuer le maire? I need a keycard. Ah, toujours a keycard. Ah ouais. Lui, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est un gars plus fort? Ah ouais, ok. J'ai récupéré des choses. J'ai récupéré des tas de bonnes choses. Hop, ah ouais, j'ai plein de choses. Bonus 15 de santé, je prends. Une hache qui a peu de durabilité, je prends. Pas de flingue, non, pas de flingue. En plus, beaucoup trop de flingue là. Ah, un flingue à 15, ouais, je prends. Voilà, ça on s'en fout. Des flingues, ok, j'ai 15 balles de flingue, c'est plutôt pas mal. Pas de keycard, toujours, non, pas de keycard. Ça c'est chiant. Faut quoi? Faut que je tue tout le monde? Voilà, faut que je frappe le premier. Monnaie, bacon, cheeseburger. Oh, un bacon, cheeseburger, c'est bien ça. Banane, voilà. Régénération, par contre, rien de office desk. C'est quoi, wallboard? Ouais, non, rien du tout. C'est compliqué, hein. Compliqué d'avancer. Pourtant, j'ai fait un bon petit génocide. Là, c'est quoi ça? Augmenter régénération, augmenter corps à corps. Ouais. Mais j'ai pas de keycard, il me dit. Pourtant, j'ai tué tout le monde. Un nid de keycard. Est-ce qu'avec 4, je peux le... Tiens, là, si je fais 4... Single computer. Tu vois, si je fais ça. Si je fais 4. Je peux pas pirater?
Alors attends. Pas facile d'y voir clair, hein. Pas facile. Clic droit pour utiliser. Bah ouais. Ah non, faut que ça soit vert, c'est ça. Clic droit pour utiliser. Ouais, mais là, j'ai plus rien à hacker. Je pense que j'ai rien à hacker. Ça sert pas à grand chose. Ah ouais, j'ai vraiment fait un de ces carnages. Office desk. Photocopieur, wallboard, panneau d'affichage. Ouais, ouais, non, ok. Bon, bah écoutez, on va pas tarder à s'arrêter, hein, parce que on aura... C'est une démo... Oh, contrôle terminal, c'est cassé. Quoi? Ah, tiens, là, c'est encore plus cassé. Générateur. Oh, coffre-fort. Oh, putain! Oh, j'ai trouvé un lance-roquette. Ok, j'ai trouvé un lance-roquette, ça fait plaisir. Un lance-quéquette. Ouais, ça va faire des beaux dégâts. Oh, ouais, ça marche plutôt bien. Ça marche plutôt bien, ça. Lui, c'est qui, là? Un comédien. Ok, non, je vais pas l'agresser. Ah, une clé, une... Oh, d'accord, d'accord. Ouais, je peux utiliser... Après, je peux aussi simplement créer le chaos, hein. Je peux foutre ma merde, genre... Voilà, voilà, tout simplement, tout simplement. J'obtiens de l'argent, ça c'est quoi? Cabine d'augmentation pénienne. Ah, quelqu'un doit me le programmer. Ouais, ça marche pas là-dessus, ça marche pas. Ça marche pas, ça marche sur pas grand-chose cette... Ok, bon! Vas-y, viens te battre, viens te battre. Viens te battre. Viens te battre, viens te battre. On vient te battre. Ok. Ne jamais tuer des policiers dans la vraie vie, hein, c'est pas... Oh, je l'ai assommé. Ok, je peux rentrer là. Ah, il y a un flic qui arrive. Ouh, la blague. Je me cache. Votre humour est lamentable et vous sentez mauvais. Ouais, c'est bien ce que j'en ai. On récupère pas de l'argent. On peut jouer ou pas? Ah, je peux jouer. Mince, j'ai perdu. Gagné. Ah, j'ai gagné de l'argent. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est très bien. Distributeur dans la gueule. Aïe, attention. Dans la gueule. Elle va... Eh, c'est elle qui a la clé. Elle a la clé. Faudrait qu'elle revienne. Madame. Madame, je suis innocent, je vous aime, madame. C'est vous qui avez la clé, non, c'est pas vous, pardon. Madame, tiens. Ah ouais, du coup, réputation. Ah ouais, j'ai plus de réputation de la part des crêpes, je crois que c'est un gang. Ok, j'aurais pas dû. Ah non, c'est bon, il fuit. Oh, il est 9h, ok, il rentre chez lui. Non, mais voyez, il y a plein de possibilités. Oh là là, il se passe quoi? Tapoter la fenêtre. Il y a plein de possibilités. Dans la gueule. Il y a plein de possibilités. Vous pouvez faire plein de choses, évidemment. C'est vraiment bac à sable. C'est vraiment sandbox. C'est la traduction littérale, ça fait plaisir. Non, mais c'est vraiment monde ouvert et c'est ça qui fait plaisir. Et en fonction de quitter. Parce que de quitter, là, regarde, on va arrêter la session et on va recommencer très rapidement. Menu principal. Oui, c'est une démo, hein, donc forcément, tout n'est pas finalisé. Tout n'est pas ultra opérationnel. Là, tu sais, je fais démarrer une partie. Partie locale, un joueur. Asie, non non on va créer, non non hop, on va créer un nouveau personnage, on va prendre policier, on va l'appeler Az, ouais bon d'accord, bah comme ça, hop, je prends lui, et je crée un nouveau monde, voilà, la graine on s'en fout, et je fais terminer, ah oui non mais d'accord, il veut que je crée, ok tiens, tiens, voilà, merci, au revoir, bon appétit. Alors, est-ce que ça va être le même objectif, dans ce... peut-être dans la démo peut-être? Quoiqu'un policier qui irait tuer le maire, c'est quand même étonnant. Bon, sauf si c'est un mafieux infiltré, mais bon. Mais voilà, enfin, vous pouvez faire des tas et des tas de choses, et c'est ça qui fait plaisir. C'est une aventure assez débridée, et vous voyez, c'est pas mal inspiré de... On reconnaît un peu du RimWorld, du Stardew Valley, du... C'est inspiré plein de choses, et c'est assez excellent. Le 1 était excellent, j'y ai passé de nombreuses heures. Et j'ai hâte que le 2 sorte, histoire de pourquoi pas faire des vidéos, surtout en coop, mais aussi y jouer de mon côté. Alors, santé, ok, là je suis là, je suis là. Bonjour, ouais, Street of Rock, tout ça, tout ça. Aïe, pardon. Ça c'est quoi, hein? Fait exploser les casques de détenus. Ah, bien. En sachant que... Taser. Je sais que... Et alors, je sais plus comment le faire, mais je sais que tu peux avoir des pouvoirs, genre arrêter, mettre des menottes, des trucs comme ça. Je sais pas si c'est toujours d'actualité. Spécial, keyboard, mouse, right bouton, spécial. Ouais, ok. Merde, non. Non, non. Spécial, attaquer, tac. Voilà. Spécial,
Ok. Attaquer, c'est lève bouton. Spécial, c'est droit. Et spécial 2, c'est ça. Ok. Est-ce que ça change quelque chose? Je peux pas l'arrêter. Non, je peux pas l'arrêter. C'est dommage, c'est dommage. Slap prisionnaire. Ok, d'accord. Oui, je peux foutre en prison des cons. Ok. Et là, le monde est évidemment généré, procédural, généré aléatoirement. C'est ça qui fait plaisir. D'ailleurs, on n'a pas trop regardé l'arbre des compétences, mais je pense qu'il est assez. Voilà, tu peux te spécialiser et t'as plein, plein, plein de choses. Tu vois, t'as plein de choses. Alors pour l'instant, il y a des bugs de traduction, il y a des superpositions de texte, mais il y aura vraiment de quoi s'amuser. Taper à la fenêtre. Je peux pas taper à la fenêtre. Non, c'est bon. Oh, un écureuil! Vas-y, tabasse, tabasse l'écureuil, tabasse l'écureuil. Oh, il fuit. Un taser dans la gueule. Est-ce que je peux t'arrêter? Ah oui, voilà, clic droit, je fais mon spécial et je l'arrête. Il est arrêté. Et là, avec un, je peux faire exploser. Ah bien. Avec un, je peux faire exploser parce que je lui ai mis un casque de détenu. Ah merde, ça recharge. Aïe, ok. Ah mais ils sont en train de me tabasser là. Ok. Ouh! Viens te battre. Viens te battre. Ah, il est résistant. Évidemment, si on se frappe en même temps, ça peut s'annuler. Voilà. Alors, mon gars, voilà, regarde, je l'arrête. Je gagne des points. Et là, je fais 1 et je le fais exploser. Et du coup, je profite de l'explosion. Et ça fait grave plaisir. Bon, bah écoutez, attention. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Je vais taser mon con. Là, je vais t'arrêter. Et là, je vais te faire exploser. 1, 2, 3. Non, arrête de me suivre. Voilà. Comme ça, je récupère ses armes. Bon. C'est trop bien le policier en fait. Alors je pense que c'est pas très bien vu que tout ce que je fais, mais c'est trop bien. On va équiper ça, on va équiper ça, on va boire ça, fusil à pépon, fusil à pompe. Bonjour, bonjour, bonjour. Je vous arrête. Vous êtes un fumier et je vous fais exploser. Besoin de se recharger. Ah ouais, ça a besoin de se recharger, j'ai utilisé toutes les. Ok, et là il me suit l'enculé. Très bien. Allez, je vous arrête. Est-ce que je peux en arrêter plusieurs? Ah ouais, d'accord. Ah non, ça se recharge, ok. Ah oui, là on voit les secondes qui défilent pour que ça se recharge. Là je suis en train de l'arrêter. Et vous voyez, là je peux faire du Allah Akbar, c'est-à-dire j'ai tous mes prisonniers, je peux les faire péter si j'avais des charges. Allez, je me fais mon petit harem de mec emprisonné. Ils me craignent ou pas du coup? Vas-y, arrête-le. Je ne peux plus prendre personne avec moi, ah merde! Ok. Attention! Ah ben voilà, je suis mort comme un caca. Bon, on va s'arrêter là pour cette démo. Ça permet déjà de se faire un premier avis. J'espère que ça vous aura plu. Ça aurait été des fois un peu compliqué, mais c'est un jeu compliqué. Hein. Il faut le savoir, ça, il faut le comprendre. C'est un jeu complexe, mais c'est un jeu qui fait quand même plaisir. Et puis t'es libre, voilà. Et j'adore les mondes ouverts intégrales ou quasiment intégrales, comme ça où tu peux faire un peu ce que tu veux, un peu GTA-like. J'aime beaucoup les jeux bac à sable. Sur ce, gros bisous à tous et à bientôt, bye bye.